Je m'appelle Antoine Dole, j'ai 32 ans, je suis écrivain et scénariste. Je suis venu ici dans le cadre du prix Adolise 2014. J'avais un roman dans la sélection qui s'appelle La copie 100 fois, qui est le lauréat du prix cette année, donc une grande fierté. Et dans ce cadre-là, j'ai été invité à la médiathèque intercommunale Maurice Pic pour rencontrer les lecteurs et les gens qui ont participé au prix. Quand Gaston s'attrape, ça se laisse pas faire. Mais papa n'est pas là quand Vincent et ses potes viennent me chercher des croques dans leur... Je me prends des baffes, écoute-moi, et je dis rien. Alors ce matin, on a rencontré trois classes au collège Europa. C'était des rencontres extrêmement touchantes. C'est toujours assez étonnant de voir ce que les lecteurs, les jeunes lecteurs surtout, ont pu absorber d'un texte. Nous, on fait un métier qui est très solitaire, on reste à la maison, on écrit vraiment dans une vraie intimité, une vraie bulle. Et d'un coup, de se retrouver confronté à ces lecteurs qui prennent forme, qui ont un avis, qui ont un regard, et qui a un regard assez juste, assez acéré pour leur âge, c'était vraiment passionnant. J'ai fait des rencontres très chouettes. Cet après-midi, on a eu des rencontres avec des quatrièmes, une autre ambiance. Enfin, c'est étonnant de voir comment les rencontres se réinventent à chaque fois. Plus dans l'humour, plus dans la sensiblerie. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça évolue vraiment d'une classe à l'autre. Et le travail qui avait été fait en amont était vraiment très bien fait, très bien mené. Donc, du coup, on a pu vraiment avoir des rencontres intéressantes. On va voir là-dessus, mais pour moi, ça a toujours été un outil. Je l'ai toujours pensé comme une passerelle qui me permettrait d'avoir ces rencontres-là, de pouvoir créer une espèce de zone neutre entre vous et vos enseignants. Je ne voudrais pas griller d'autres questions. Oui. Pourquoi vous l'avez appelé à couper sans toi? Qu'est-ce qui t'évoque à toi ce titre? Bah, en fait, au début, avec l'écriture, on aurait pu penser à quelque chose. Enfin, avant qu'on nous dise le résumé, quelque chose qu'on peut copier. Pas du tout à ça. La punition, c'est qui t'aide? C'est toi? Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de jouer un petit caractérisé l'école, parce que c'est, encore une fois, c'est pas la vie, mais c'est un laboratoire de vie, le collège. À copier 100 fois est un roman qui est paru dans la collection des mini-romans des éditions Sarbacane. C'est un roman qui est paru au moment des discussions autour du mariage pour tous. L'idée n'était pas de faire un livre sur l'homophobie, de faire un livre plus vaste sur le thème des violences scolaires. J'avais envie d'aborder ce sujet qui me tenait à cœur parce que quand moi-même j'étais au collège il y a quelques années de cela, c'était un sujet qui était déjà très présent et j'étais assez surpris de voir que 17 ans plus tard, la violence scolaire était toujours un vrai phénomène dans les collèges, dans les lycées. Je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon échelle pour faire avancer modestement les choses et j'ai écrit ce livre pour essayer de faire bouger un petit peu les esprits, les réflexions, essayer d'articuler la parole, de libérer un peu la parole dans les écoles. C'est un court roman, ce qui nous permet de toucher des lecteurs et des non-lecteurs, donc c'était vraiment un enjeu qui était important pour moi. Et de voir que, dans le cadre des rencontres qu'on a eues dans le cadre du prix Adolise, on s'est vraiment rendu compte que c'est un livre qui permettait de faire une passerelle entre les jeunes lecteurs, entre les collégiens et le public adulte. Donc de générer des conversations, des discussions autour de cette problématique de la violence scolaire, de l'homophobie, et finalement de toutes les valeurs que ça peut véhiculer, d'acceptation, de tolérance et d'ouverture à l'autre. Ce que tu pourrais dire de plus? Penser de plus, faire de plus, reprocher de plus, au point que le vent bouge. Je me redresse, façon de toi. À force de tout garder en moi, j'avais oublié que j'en étais capable. Et prends le tas contre la glace, chaque fois un peu d'impact. Je viens de publier un nouveau roman qui s'appelle Ce qui ne nous tue pas, qui est paru aux éditions Actes Sud Junior. Je travaille sur toujours bien sûr la bande dessinée, le tome 7 de Mortel Adèle, le tome 8 qui paraîtra à la rentrée. Et puis côté roman, j'ai un roman qui va paraître dans la collection d'une seule voix des éditions Actes Sud Junior en premier trimestre 2015, je crois, mais là on part sur des longues prévisions. Donc, voilà. En tout cas, il y a plein de choses à venir et je suis ravi de tout ça. Thank you.